La garde à vue Thomas Lanman, qui a débuté mercredi 2 mai, a été prolongée ce jeudi 3 mai. Le producteur de cinéma est entendu par les enquêteurs au commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour les 7 personnes de harcèlement et appel téléphonique malveillant, suite à une plainte déposée début avril par son épouse, Céline Bosco. Le producteur de cinéma et l'ancienne présentatrice de Revenons d'M6 sont actuellement en pleine procédure de divorce. Et selon de nouvelles informations dévoilées par Posé ce jeudi 3 mai, l'épouse de Thomas Lanman s'est occupée pour 45 jours d'été psychologique, conséquence du harcèlement que le producteur a revendiqué dans l'émission Stupéfiant diffusée sur France 2 le 23 avril dernier. Un divorce est une affaire privée, il explique. Avant qu'un juge non soit rendu sur la garde des enfants, il y a parfois des parents qui les prennent et ne les laissent pas à l'autre parent.